je suis ici avec mon ami Moussa pour il m'enseigner comment faire le thé. Donc allons-y, allons faire. Ok, allons faire le thé. Ok Moussa, comment on va arriver, comment on va préparer le thé? Premièrement, nous avons besoin du fourneau, deuxièmement le charbon, troisièmement le feu, quatrième on a besoin de l'eau, cinquième on a besoin de le thé, le sucre, la tasse. C'est ça, c'est fini. Ok. Maintenant, quelles sont les étapes pour faire? Comment on prépare le thé? Si on a besoin de faire le thé, premièrement, on cherche le fourneau. Deuxièmement, on envoie le charbon, on met dans dessus. Troisièmement, on allume le feu. Après avoir allumé le feu, on prend l'eau, on met dans le récipient là. On dépose sur le feu. Quand ça se réchauffe 2 ou 3 minutes, on prend ça, on ouvre, on enlève le caoutchouc qui est dedans, on met dans dessus. Quand c'est bouilli 2 ou 3 minutes, après ça, on fait descendre, on met dans un verre. On a fini de faire ça, on prend le sucre maintenant, on met jusqu'au milieu, après avoir fini de ça, après on met sur le thé. Après avoir fini de mettre, après on prend, on remet. Quand tu vois que c'est ok, tu extrais le mousse pour mettre dans dessus, ici. Après ça, tu prends le thé reste. Tu mets dans le brada ici pour réchauffer. Après avoir fini de réchauffer encore, tu mets le mousse dans dessus jusqu'à ici. Après maintenant, tu serves. Tu mets jusqu'au milieu. Tu mets l'autre là aussi jusqu'au milieu. Après avoir fini, tu serves les gens qui sont à côté. Maintenant, parlez-moi un peu de l'importance de le thé dans le contexte guinéen. Dans le contexte du guinéen, nous avons besoin de thé. Quand tu pars au champ, quand tu es fatigué, tu reviens ce soir, tu peux faire le thé. Okay. Quand tu bois, ça va diminuer la fatigue. Mais aussi, il y a d'autres aussi qui n'aiment pas le thé. Il y a d'autres aussi qui aiment le café noir. Mmh. Aussi, c'est bon. Est-ce que tu aimes le thé? Oui, j'aime le thé. Ok. Ça marche. Merci pour montrer comment faire, c'est bon. Oui, c'est bon.